Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode sur Crying Suns. On continue notre petit run dans l'espace. Donc on avait déjà visité la planète, on venait de la siphonner. Et il y avait aussi, on avait récupéré de la ferraille. Et donc on va continuer vers l'anomalie suivante. On n'est pas obligé de toutes les faire, maintenant. Il faut peut-être éviter d'ailleurs, parce qu'on a souvent besoin de Neuren, quand même. Mais bon, j'aime bien jouer. Bon. Un vaisseau de guerre ferrailleur, transmission en 30. Plutôt clinquant comme vaisseau. Je vais le démonter après vous avoir mis la pâtée. Bon ben. Ok. On va voir ici sûrement qu'il y aura aussi plusieurs trucs. Et là, vous voyez qu'il a commencé à y avoir des obstacles. Ces trucs-là peuvent exploser. Donc il faut toujours faire gaffe. Et rentrer dedans, évidemment, ça fait des dégâts aussi. Alors il y a 4 vaisseaux au total qui peuvent arriver. En hangar. Il a commencé avec des drones. Alors on peut cliquer sur contrôle pour faire des points de passage, comme il dit. Voilà, bon. Et là il va sortir quoi le prochain? Toujours des drones, parfait. Un petit coup de bombe là-dedans. On va le calmer. Voilà, on a gagné 50 de ferraille. Alors au début c'est très facile, mais ça se complique très très vite. On va gagner un peu de ferraille. Je vais aller voir. Ça peut rapporter quelque chose, ce genre de truc. Un vaisseau civil, monsieur, je ne détecte aucune activité. On va le catalyse pour aller faire un vol de reconnaissance. Je m'en occupe. Ok, il est parti. C'est bien un vaisseau fantôme, rien à signaler, monsieur, pas de ferraille ni de carburant. On dirait qu'on nous a pris de court. Probablement l'une de ces saletés de ferrailleurs. Ah bah on continue notre route. Vous voyez, ça évolue, hein. C'est un peu le même système que Fell. Avance, donc nous on avance aussi. Faut pas se faire attraper. Un vaisseau de guerre pirate, monsieur. Mais son radar est inactif, nous avons l'avantage. On va le prendre par surprise et lui offrir une chance de se rendre. Nous allons coincer ces pirates puis lui donner une chance de se rendre. De ce que je sais, les pirates ne sont pas du genre à se rendre. Même s'ils ne se rendent pas, nous aurons toujours l'avantage. Eh ouais, je suis un amiral vertueux, moi. Que faites-vous, impérial? Nos armes sont braquées sur vous et nos escadrons sont prêts à attaquer. Rendez-vous ou nous vous neutralisons. Me rendre? Vous n'avez pas suivi vos cours de la piraterie académie, on dirait. Les pirates ne se rendent pas. Bon ben, hop. On peut y aller direct. Oula, c'est quoi ça? Lourde. Ah, c'est vache, hein. Faut que je vois sur la truc là, moi. Ah, ils sont pas mal, on t'avait déjà mes gars en plus. Fasse gaffe. Ah, je vais toujours en gauche. Ouais, faut des drones là. On va lui tirer dessus. Ah, ça lui fait pas très mal le but. On va espérer que ça le fasse plus mal. Ouais, frégate, c'est mieux que chasseur contre frégate. Allez, meurs. Deux fois ceci.
refuse. Voilà. On peut lui prendre, je sais pas si ça valait plus ou pas. On va siphonner, toujours que 1. Appuie un peu. On va aller là-bas. Je vais être honnête avec vous, amiral, j'ai besoin que vous me donniez une solide raison de ne pas vous éliminer. Dire que vous essayez d'allumer les ovnis. N'inquiétez pas, votre vaisseau est sans doute le dernier espoir qu'a l'Empire de réactiver les machines. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de revoir ces choses? Vous savez que les ovnis anti-pirates faisaient de ma vie un enfer. Vous allez mourir, et pas qu'un peu. Bon, merde. Bon. Si je mets troupes sont réparées, ici il va me sortir un chasseur, donc on peut y aller. Là, toi tu peux aller là, et puis remonter là. Voilà. C'est mal ces trucs là. Si je peux pas... Et ça les pèse en un coup, déjà ça. Je peux pas aller assez vite, je pense. Voilà. Le gros truc là, voilà. Pas pigé pourquoi c'était le dernier espoir de l'Empire, mais bon, soit. Par contre, on a un accès au magasin maintenant. Donc j'ai 423 de ferraille, on peut taper un peu de truc, on va acheter du carburant. Là, j'en aurai besoin. On va en prendre 2-3. Et après, qu'est-ce qu'on a? Augmente la zone de déploiement des escadrons. Ouais. Surchauffe provoquée par l'utilisation des armes. Ouais. Répare tous les escadrons adjacents à la cellule système de maintenance de la coque. Ouais. Je vais peut-être prendre celui-là, je sais pas. Alors, le générateur de champ de pièces là, oui. Ça, ça fait quoi? Interrompre tout le déplacement... Ouais, non. C'est bien. Ça c'est bon, nous pouvons continuer notre route, on a tout fait ici. Ouais. Notre route vers Simus. Nous sommes affectés par des interférences magnétiques, monsieur. Attachez vos ceintures, ça risque de secouer. J'ai la chef pour vous. Monsieur, nous avons un souci. Il y a un incendie isolé en C9, sans doute à cause de la tempête. Le hangar principal des escadrons se trouve en C9, monsieur. Nous pouvons l'éteindre en l'utilisant d'une ION en mousse. Ou bien nous pouvons le laisser se consumer étant donné qu'il est isolé et il ne s'étendra pas aux autres sections du vaisseau. Cela dit, les escadrons subiront des dégâts. A vous de voir, monsieur. Dans tous les cas, il faut prévoir. 2 points d'ION, non, je peux pas. Je suis pas assez. Je crois que nous allons devoir laisser brûler. Notre camion est trop précieux pour l'instant. Je comprends, monsieur. Espérons que le capitaine Lynch comprenne votre dilemme. Ah, désolé. Hein. Monsieur, le feu est consumé, c'est une bonne chose. Par contre, comme prévu, les flammes ont endommagé quelques escadrons. Espérons assez de... avoir assez de temps pour qu'il les réparer rapidement. Je l'espère aussi, chef. J'avais un faible pour ces escadrons spécifiques. Il a réduit en bouillie de nombreux ferrailleurs. Et j'espère qu'il continuera de le faire. Alors, les deux qui sont imbibés. Attends. J'ai failli oublier de... J'en ai qu'un en plus. Ah, j'ai pas de chance. Hein. Il n'est pas de vaisseau de guerre, on va aller voir.
à contenir Telos sans surveillance, monsieur. Que voulez-vous faire? On va la récupérer. Il formait une équipe et allait inspecter ce conteneur. Dites à vos chasseurs de rester en haute aguet. Entendu, monsieur. Monsieur, nous avons fait sauter la porte du conteneur et... Et quoi? Il est plein d'omnis. Les omnis fonctionnels sortent du conteneur. Elle a bien dit ce que j'ai entendu? Pardon, c'était une fausse alerte. À cause de la façon dont ils fautaient en sortant, on aurait dit qu'ils étaient... Enfin, vous savez... Ramenez les omnis au hangar, capitaine. Tout de suite, monsieur. Donc, il y a une épave, on va aller voir. Vous allez voir que ça va être déjà un peu plus compliqué, celle-ci. Hein. On mélange les 4 gars, donc ça peut évidemment aider. Quel est le meilleur résultat? Je dirais que c'est pas assuré qu'elle survive. Ouais, c'est pas assuré que j'ai beaucoup de commandos qui survivent. Bon, celui-là, je pense que c'est le mieux. Atterrissage. Bim. Ligne sécurisée. On vient de commencer. Aïe 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 aïe. Ouh là là là. Ça va. On est arrivé à l'épave. Choper de la ferraille. Ça va. Pas encore. Ok, on continue, on peut s'extraire, tout va bien. Plutôt une bonne expédition là, 180. Perdu un gars, ça arrive. On carte des étoiles. On va aller vers la sortie. Monsieur, un vaisseau de ferrailleur, on dirait une des crapules du secteur de mer. Transmission entrante. Un vaisseau de Gartelos dans mon secteur? Vous avez dû rater la sortie quelque part, amiral. Je ne vais pas m'en plaindre. Où est-elle? Où est mer? Vous pensez que je vais vous le dire juste parce que votre vaisseau est flambant neuf et appétissant? On parle de ma maman, là. Bon. Deux escadrons. Chasseurs et les drones. Donc, toi t'es bon pour les chasseurs et toi t'es bon pour les drones. Bah c'est bon. Alors là ici, des drones. On peut aller ici les aider. Mieux. Il a fait péter les météorites. J'ai perdu un escadron. Il faut savoir que les escadrons n'ont pas perdu. Effectivement, ils peuvent se réparer. Ils peuvent mourir. Effectivement, mais c'est pas le cas ici, quoi. Pas si vite, je vais vous dire. Et là, ici, il y avait un point de coque. Donc, il marque. Et par contre, ce que je vais faire, c'est filer d'ardard. Ah merde, trop tard. Filer d'ardard, mais c'est trop tard.
va prendre une coupe de MK. Ça. Je crois qu'on va lancer cette épée ça aussi. Ok. Voilà. Je vais envoyer des drôles alors. Hop. Ah, il m'énerve que c'est. Ok, ok. Voilà, ça c'est la guerre contre un, voilà. Ça fait encore là-dedans. Du coup, c'est bon là. Voilà. On a gagné plein de ressources. Et on passe donc au secteur suivant. Il en faut 3 secteurs pour faire le chapitre 1. Et du coup, vous m'avez pas de dialogue, on va en rester là pour cet épisode, comme ça on peut avancer sur la deuxième partie du secteur. Attendez, je calcule là. Donc il y a encore un épisode demain, voilà. Donc la suite par contre, ce sera la semaine prochaine, parce qu'il y a déjà 4 jours de Kainison, 3 jours de Total War à 8h du matin, donc ça vous êtes au courant. On va visiter le magasin néanmoins, parce que j'ai plein de thunes avant de partir, j'ai quand même encore un peu de temps, il y a 17 minutes, je vais revenir faire un épisode de plus ou moins 20. Et Léon. Je prends tout à chaque fois parce que c'est vital, je prends 2 gars en plus et j'ai encore plein de thunes. Par contre, il n'y a rien de très intéressant. Pas de personnel à soigner. Je vais prendre quand même une deuxième troupe de frégates. Bon, on va les prendre, de toute façon, c'est pas perdu. Vaut mieux avoir des réserves. Je vais le retrouver bêtement. Point C. Ah, je peux faire des améliorations par contre, ça serait un petit peu zappé. Un dock d'escadron supplémentaire, ça oui, j'ai les ressources pour, donc ça me fera 3 docks. Est-ce que je peux mettre un dock d'armes en plus, ça peut être bien. Renfort du système d'armes, pour améliorer, mettre un deuxième. Le renfort c'est pour mettre un deuxième personnage dans cette partie. Sans prendre tout un dock en plus. Là par contre, on l'améliore à mort. Le radar de navigation peut être amélioré aussi. Ça aussi. Voilà, je pense que là, on est plutôt bien. Et on va faire ça aussi, voilà. Ça là, on l'a tout claqué. Et on est à peu près bon pour continuer notre petite aventure. Eh bien, je vous laisse donc pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le 4e épisode de l'Espace sur Crying Sense. Et je vous dis encore une fois, une bonne journée à tous, à demain.